Yo les gars, c'est le dieu de la guerre qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous aurez pu le voir au titre à la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va tenter de réaliser le défi 191 FUTDRAFT. 191 FUTDRAFT. En gros, le record du monde, je sais pas s'il est à 191, à 12, à 13, bref, il y a des gens qui ont réussi, qui sont sur Twitter, bref, qui ont dit ouais, il a réussi, il a pas été réussi, bref, nous en tout cas on va essayer, putain. Vous n'avez rien vu. Nous en tout cas on va tenter de réaliser une 190 FUTDRAFT au moins, enfin au moins. Il y a déjà pas mal de gens qui l'ont fait, mais en tout cas on va tenter de le faire puisque j'ai jamais fait une vraie draft vraiment énervée, un truc de malade. Bref, on est parti. Oui, un ratio de merde, je suis sur le compte de mon frère et il joue jamais à FIFA, donc bon, voilà. Au niveau des dispositifs, on va partir. En fait, j'hésite entre le 4-3-3 et le 3-4-1-2. On va partir sur un 4-3-3, je pense que ça me semble bien. Ok, au niveau des capitaines, on a du Messi, on a du Roy. Je pense qu'on va partir sur du Messi 96, on va directement faire les remplaçants, on va pas chercher à faire un truc chelou. Ok, c'est de la merde. Quand vous avez pas un joueur qui vous intéresse, prenez le plus haut gradé, ça peut toujours servir. Marcelo Totti, Dani Alves Totti. Lesquels on prend les gars? Vas-y, on va prendre Dani Alves parce qu'il a plus de notes. Allez, putain. Il n'y a rien qui nous intéresse. On va prendre Lewandowski pour la note. Let's go. On peut taper ce record. On va prendre Bale. On va prendre Bale 89. Let's go. J'ai pas envie de prendre Neymar. Enfin, si, quoique. On va prendre Neymar parce que après on peut tenter d'avoir Ronaldo en version Totti. On va prendre Grizzly. On va prendre Kron Deli. Je sais pas c'est qui ça, mais bon, bref. On va prendre Danilo. Et on va prendre Buffon. Si on n'a rien de spécial niveau gardien, je pense que c'est mieux qu'on prenne Tchetch pour la note. Faut qu'on tombe sur un truc soit de la Juve, soit de la BBVA. La Juve. Voilà. J'avais dit quoi? Barzagli. Du coup, on va mettre Buffon dans les cages. On va mettre Caceres à gauche. On va faire un côté BBVA. BBVA, s'il vous plaît. BBVA avec Rami. Rami, direct. Let's go. On a déjà Dani Alves, on va prendre pour la note. On va prendre Serna. Je sais pas c'est qui, mais bon, c'est pas grave. On est parti DG, du coup on n'a pas besoin pour la note aussi. On va prendre Philippe Luis au cas où. Ce qui serait magnifique, c'est qu'on tombe sur Pogba Totti. Dommage. On l'a pas. Mais bon, on peut prendre Toni Kroos. Allez, Pogba. Putain, il veut pas nous donner Pogba, quoi. Oh là là, Rakitic, hein. Allez, Pogba. Non, c'est pas Pogba, ça. C'est pas Pogba, ça. Putain, c'est pas Pogba. Allez, Suarez. Benzema, quelqu'un. Personne. Pas de Benzema, putain. On va prendre lui, hein, écoutez. Allez, Ronaldo. Putain, y a pas de Ronaldo non plus, hein. Ah, pas de Ronaldo, hein. Ça c'est pas du Ronaldo, ça. C'est loin d'être du Ronaldo. Bon, je pense qu'on va prendre lui, hein. Je vais faire les changements et je vous retrouve tout de suite, les gars. Bon, j'ai fait comme ils ont dit, ouais, il faut classer les joueurs, je sais pas quoi. Bon, ça nous donne un 87 de notes pour un 94 de collectif. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura tout de même plu. Bon, il fallait que je tente au moins, puisque je vois tout le monde qui tente ce défi, qui tente d'avoir les 180 trucs, des ceci, des cela. Du coup, moi aussi, je voulais tenter ma chance pour pouvoir tenter de briser le record. Je fais rarement des drafts, donc je pense pas. Mais tout de même, on l'a tenté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Lâche un like si t'as kiffé. C'était le jeu de la guerre. Peace.